Ah mais tout de suite, c'est plus lourd, hein. Eh ouais. Pas la même histoire. Waouh. Misère. Et est-ce qu'on est toujours à 125? Ouais, on est toujours à 125. Je sais pas comment je pourrais faire pour augmenter. Il paraît qu'il faut faire des missions avec énormément de poids sur le dos. Alors, énormément de poids, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est genre, il faut que je sois à 125 tout le temps, 125 sur 125? Ça va être dur pour les mollets. Hein. On va se faire les mollets! Corne gidouille! Pourquoi est-ce que j'essaie de passer par là alors que je sais très bien que je vais me vautrer? Je sais très bien que je vais me vautrer. Mais attendez, c'est quoi? C'est par un autre nom. T'es en week-end? Oui, je suis en week-end jusqu'à. Eh bien, jusqu'à demain. Jusqu'à lundi. Et je reprends mardi. Là, je me donne là toute la journée. Demain, j'irai au sport. Et d'ailleurs, il est quelle heure là? Téléphone. Bon, c'est pas grave, je vais regarder. Attendez. Le micro est tombé, je suis désolé. Il a décidé de se petit suicider. Je pense que vos oreilles saignent. Mais je pense que ça va aller quand même. Je suis là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis là. Tout va bien se passer. Il est 11h14, donc c'est bon, on a le temps. Oui, donc je voudrais descendre et récupérer les trucs là. C'est ici. Je vais récupérer quand même. Voilà. En plus ça c'est pour la ville relais. Magnifique. Ah merde, je peux pas récupérer ça. Ah, je peux pas le récupérer, dommage. Merde, j'ai trop de trucs sur moi déjà. Est-ce que je peux réparer des trucs? J'ai envie de... Attendez. Non, non. Ah mais si, je peux le porter dans ma main gauche. Bon, on va faire ça alors. D'abord, je voudrais voir juste si je peux réparer un peu. Genre... ça. C'est bon, est-ce que tout est réparé? Voilà, je crois que tout est réparé, c'est bon. Je vais jeter ce truc là. Salut Ilf, coucou, bienvenue sur Death Stranding. J'espère que tu vas bien. Faut du temps pour jouer, ouais. Du temps, surtout pour Death Stranding, faut un peu de temps d'acclimatation parce que c'est un jeu un petit peu exigeant niveau compréhension. Non mais non, mais non. Oh. Qu'est-ce que... Mais non, c'est pas ça, c'est lui que je veux. Incroyable. Je peux pas prendre lui. Est-ce que je peux prendre la valise là? Terrible. Ah. Voilà. Vous voyez que je peux. Oh la vache. Ah mais je peux pas grimper là, merde. Attendez. Ah merde. Oh, putain. Moi j'ai peu de temps, genre 30 minutes, 1 heure, d'accord. Bon bah je vais devoir le laisser par terre et tant pis. Je peux pas genre grimper comme ça et le récupérer après. Non, je peux pas genre faire ça, non? Bon, je laisse un truc par terre, tant pis. Il y a des choses que j'ai pas besoin de prendre pour le moment. Tant pis. Ah, désolé, on va avoir pas mal
pas mal d'aller-retour pour le moment un peu inutile, mais. Mais bon, tout ça c'est très très proche alors. Tac. Tac. Moi, je suis du genre feignant, donc s'il y a des choses qui sont à côté, tu essaies de glitch le jeu. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais enfin, mais non, pas du tout. Un petit peu, mais pas du tout. Est-ce que je peux le prendre? Voilà. J'essaye d'optimiser les choses. Écoute. Comment tu vas, Ilf? Ok, tac. On est à 100 là, donc je pourrais, en théorie, je pourrais prendre d'autres trucs là. Enfin. Attention. Métaux. Bien. Nice. Ok. On est bon. C'est bon. Ok. Ah bah il a même mis dans ça. Calme-toi. Allez. Ok. Je le porte. C'est bon, j'ai réussi à tout prendre. Oh la vache. Oh la vache. Non. Allez. Allez. Oh la vache. C'est tendu. J'arrive pas. Je crois que je vais laisser la mallette par terre. Allez. Oh la vache. Écoute, ça va bien, Ilf. Ça va bien. Je me bats contre le jeu. J'essaie de ne pas tomber à chaque épreuve. Oh là là. Ça marche, Genesis. À bientôt. Le dos droit. Le dos droit. Je vais voir si je peux pas quand même un peu baisser parce qu'il est très très fort le son, j'ai l'impression. Les petits sons là de marche, il me semble assez fort. On va le mettre à 90. Ouais, je pensais que je pouvais tout prendre là et le problème c'est que quand tu prends une mallette dans la main droite, bah du coup tu peux plus compenser sur le côté droit. Allez. Regardez ça, quel homme! Mais quel homme! Mais quel homme! Cet empilement de caisses. Il y a beaucoup de clins d'œil aussi à Half-Life dans ce jeu, hein. C'est marrant. Des likes. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Alors. Sam, pour récapituler, votre objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral de la ville relais du lac jusqu'à la ville relais du sud. Pour ce faire, vous allez devoir vous servir d'abri de prépeur en guise Oui, de mais ça, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Franchement, ça ne va pas être du gâteau. Fragile a bien essayé d'en intégrer quelques-uns, mais vous savez comment sont les prépeurs. La plupart d'entre eux ne veulent rien avoir à faire avec les UCA. Bah en fait les prépeurs je l'ai jamais vu je crois. Il va falloir que vous leur prouviez qu'ils sentiront mieux avec nous. Libérés. Découvrez quels sont délivrés. Vos besoins et agissez en conséquence. De cette façon, ils accepteront peut-être de nous rejoindre.
Très bien, au travail, Sam. La liste de commandes est sur le terminal. Un peu en souffrance quand même, le petit Sam. Ouais. C'est vrai que, ouais. Il a connu des jours meilleurs. Une livraison. Tac. Pas de quoi, mon pote. Pas de quoi. Bon, on a laissé une échelle en bas, mais on va pas les récupérer. Hein. On va avancer un peu. Sinon. Sinon, ça va pas le faire. En théorie, les choses, elles sont intactes. Hein. Je les ai réparées en plus. She of play. Ah oui, parce que j'ai récupéré quelque chose à elle. Essayer de recycler quand même 2-3 trucs. On est comment ici? Ouais, on va recycler des choses. Alors, la résine. Vas-y, recycler de la résine. Tac. On va recycler quoi d'autre? Métaux. Pesto. Deux cents, ouais, pas mal de cents. Tac. Et les bottes, elles sont dans quel état? Elles sont dans cet état-là, ok, ça va. Ouais, c'est pas mal déjà. Tac. Cadeau. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer maintenant? Une caisse vide dotée d'un faux identifiant. Autrement dit, une marchandise leurre. Par exemple, ça peut être utile pour tromper des gens qui sont accros aux livraisons des autres. Ah oui, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, c'est pas mal. Vous avez rien d'un peu plus dangereux? Une machette pour pouvoir tuer des mules. Remarque, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir les tuer, mais j'aimerais bien juste le faire une fois parce que les transformations ont échoué. Finalement, on en a vu que dans des cinématiques, mais j'en ai jamais fait une vraiment. Et puis, comme on a des grenades hématites, on pourra tuer les chouets après. J'aimerais bien en tuer au moins un juste pour voir comment ça se passe. La véritable transformation. Spray colmatant, poche, marchandise leurre, échelle. Échelle, on en a deux. Est-ce que j'en fais une petite troisième? On en a deux déjà. Non, on va pas en faire une deuxième. Ça, on en a huit. Ah ouais. On n'a jamais assez d'échelles de toute façon. Moi je dis on n'a jamais assez d'échelles. Ok. Allez c'est parti, on va prendre une quête et on va avancer. Si je prends ça on va être à 100. 115. Ouais, ça va, c'est faisable. C'est totalement faisable, on va tout prendre.
Ah oui, sauf que, attendez. Je vais là. Marc le chat nous héberge. Merci Marc le chat. Merci pour ton host. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Marco Lolo. Marco Lolo. Tous les matins, c'est la même chose. Générique de Martin Matin. Qu'est-ce que c'est ça, ancien? Ah oui, parce que à droite, on a le... livrer les médicaments. Ça va, en mode petit-déj. C'est bien ça. J'ai quasiment pas... J'ai pas petit-déjeuné ce matin. J'ai juste pris un café et c'est tout. J'avais une furieuse envie de streamer, donc... Donc me voici, me voilà, écoutez, voilà. Peut-être prendre que ces deux-là, en fait. Alors, rigoleur. J'ai envie de tout prendre, mais je me dis que c'est pas une bonne idée parce que je vais être plein à craquer. Et que du coup, après, je pourrais pas ramasser des choses par terre. Oh, puis vous savez quoi? C'est une commande assez originale. Vous feriez bien de consulter les points essentiels du résumé. Ah. Quoi? État des marchandises, taux d'endommagement de, de moins que 50%. Ah, ok. Oui, bah ça va. Qu'est-ce que ça a d'original? Enfin, monsieur. Amenez l'unité Evo Devo à l'ingénieur de l'abri 2306. Demandez-lui de rejoindre le réseau chiral. L'unité Evo Devo fonctionne conjointement au réseau chiral et à l'imprimante chiral. Elle permet de reconstituer l'intégralité d'un objet à partir de quelques fragments. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit encore que d'un prototype. Et bah oui. Et pourquoi pas. On va tout prendre. Il hein. Faut faire quoi avec celle-là ok. Et ça. Alors, amenez les pièces du pistolet et les armes anti-échouées au bricoleur de l'abri 2321. Puis demandez-lui. Un adepte de l'autodéfense. Il s'est spécialisé dans la conversion d'armes létales en armes non létales. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Allez. Faudrait que tu trouves un véhicule. Alors, figure-toi que j'en avais un véhicule dans la précédente... précédent live. Précédent endroit. Précédent continent, si j'ose dire. Et on se les... On l'a paumé dans un endroit avec des échoués. Et il faudrait que je le récupère un de ces jours. Mais je sais pas comment l'amener jusqu'ici. Ou en fabriquer un autre, peut-être. J'avais une moto, en tout cas. Pas bien, faut jamais croiser les effluves. Ah non, c'est pas ça, faut jamais streamer le ventre vide. Ouais, ouais, c'est vrai, mais je vais manger tout à l'heure, de toute façon. Je vais manger. C'est pas. On est 1h12. On va streamer encore 1h là et je vais manger après. Et je reviendrai, de toute façon. Il faudrait que tu trouves un véhicule. Sinon, toujours aussi bien ce Chronopost Simulator. Ouais, j'aime bien. Ça m'intrigue toujours autant et c'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon. Non, on va rien faire de plus. Alors, unité Evo Devo. Paf. Tac. On est à 116 sur 125. Ah, franchement, ça va. Hein. Franchement, franchement, ça va. Hein. Limite, je pourrais même rajouter des échelles ou des. Comment? Des trucs d'escalade. Pour pouvoir respecter au mieux mon trajet. Une échelle, 2, 3. Est-ce qu'on a un. Est-ce qu'on a un truc d'escalade au moins? Au moins un. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'en prenne au moins un quand même. Votre contribution. On va en prendre un. Non. Ah, mais attendez, est-ce que j'en ai dans mon casier privé? Grenade. Ah, j'ai des grenades comme ça aussi. Plus que ça fait. Voilà, je vais faire une petite encre d'escalade, on sait jamais. Il va finir par s'échoper une hernie discale avec tout ce que tu fais porter. Bah ouais, mais en fait, j'essaye justement de lui faire porter le plus de trucs possible pour qu'il ait une charge lourde et pour que du coup, il puisse augmenter son poids maximum. Parce que je crois que tu peux augmenter son poids maximum. Mais c'est juste que... J'ai pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Attends, t'as vu tout ce qu'il porte?
Eh. Eh ouais, hein. Eh ouais. La classe. Allez. Lancement du scan. Faites bon voyage. Accrochez-vous. Like. Like. Allez, on avance enfin là. Après 1h14. On n'a pas fait grand chose pendant 1h14 en fait. Vous allez traverser le territoire des mules. Ah. Soyez discret et ne traînez pas. Parce que s'ils vous voient et qu'ils vous attrapent, dire que leurs parents étaient des porteurs exactement comme vous. Monsieur le paratonnerre. Essayez de sauver notre pays. Et maintenant, leurs détraqués de mômes ont repris le flambeau sans avoir la moindre idée de ce que ça signifiait à l'époque. La livraison est devenue un rituel pour eux. Une dépendance insatiable. Ils n'hésiteront pas à s'en prendre à vous pour avoir leur prochaine dose. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, premier truc, on va essayer d'aller là. Ça a l'air relativement plat, donc on va essayer. Va voir. Va voir. Allez. Par ici. Deviens jamais patron, Archie. Ah, mais je suis pas doué, moi. De toute façon, moi, j'aime pas du tout les responsabilités. J'aime pas devoir manager espèce d'esclavagiste. Ah non, j'aime pas du tout ça. Il y a des gens qui savent faire. Ils le font très bien, mais c'est un métier, quoi. Moi, je suis pas doué pour ça, moi. J'ai du mal à, déjà du mal à m'occuper de moi, hein. Alors, alors camembert. Hein. Non, vraiment. Hein. Je suis sérieux, en plus. Je suis un putain d'irresponsable. Je suis un bon samaritain. Et puis voilà. J'imagine qu'avec un tyran comme ça, c'est valable d'avoir un syndicat de grévistes. Je suis doué. Ah, c'est vrai que j'ai même pas regardé, mais il y avait peut-être des... Peut-être des choses. Non. Dread Pirate. Et les champs pipi. Alors ça, en fait, ça c'est quand tu pisses dans ce jeu, tout a une utilité. Du coup, tu peux uriner et quand tu urines, et bah tu fais pousser des champignons. Là, je pense que c'est quelqu'un qui avait pas uriné depuis très longtemps. Attendez, je like. Voilà. Bonjour, je suis Sam Arit. Moi, c'est Samus. Ah là là. Vous êtes de sacrés comiques. Vous êtes de sacrés comiques. Ça y est, j'ai perdu le fil. Ah non, c'est pas là. C'est des limites. Attendez, par contre, c'est quoi ce truc-là, là-bas, là ? Quoi ? Autopaveur route UC23. Ah, ok. Peut-être aller voir là-bas quand même, juste pour savoir ce que c'est que ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Reconstruire une route lorsque suffisamment de matériaux ont été fournis. Ah. Alors, l'ennui, c'est que j'ai pas... Mais sans doute pas assez de matériaux. Avant, il y avait une autoroute qui traversait la région. La première expédition a laissé un paveur derrière elle. Faut combien de... Ouah, oui, j'ai rien, moi. Métaux. Ouais, je peux toujours mettre ça, on sait jamais. Allez. Tac. Tac. Okiro. Tac. Bon, on va tout mettre, de toute façon, ça me sert à rien. Que ça sert à quelqu'un au moins. J'ai donné matériaux pour la construction de la route. Ok. Sachant que ça c'est une route vraiment qui fait partie de l'histoire. Hein. C'est pas un joueur qui a posé ça, je pense. Euh...
je pense. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un truc de recharge de machine, je pense. Générateur, ouais, ça c'est pour recharger les bécanes. Allez. Je vais essayer de suivre mon trajet. T'as fini Dark Souls 2? Non, 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 j'y ai pas rejoué depuis la dernière fois. En fait, j'ai tenté de le faire et je me suis dit, mieux vaut que je finisse Death Stranding en fait, plutôt. Je peux essayer de me concentrer sur Death Stranding. Quand je l'aurai fait, on reprendra Dark Souls. Parce qu'après Dark Souls, en fait, il n'y a pas vraiment de scénario que je risque de perdre. Dont je risque de perdre le fil. Alors que Death Stranding, si. Bon, il y a juste le gameplay un peu où je serai un peu naze quand je vais reprendre Dark Souls, mais ça c'est pas grave. Vous avez l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Ah! Ça c'est les mules qui ont posé ça. Oh non! Oh non! Oh non, mais non, attendez là, non, non, non. Ah, j'avais pas fait gaffe, il y a des mules partout là. Oh! Merde. Panneau en ligne, mules. Ah, c'est la dèche, ils sont cachés les mules. Comment ça se fait? Ah, ok. Y'en a un qui m'a vu là? Non. Ah merde, y'en a un qui m'a vu. Oh là là, on a un deuxième. Oh la vache. Oh non. Alors attendez, on va essayer un truc. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour les taper? Décharger de ça. Je vais mettre une échelle dans la main. Dans la main droite. Merde. Non, je vais me remettre l'échelle dans la droite. Ah zut alors. Voilà. Je vais leur donner un coup de valise dans la tronche. En espérant que ça fonctionne. Oh merde. Paf. C'est bon. On en a eu un. Attention. Deuxième, il arrive bientôt. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour lui balancer dans la tronche? Un coup d'échelle, toujours. On va se le prendre dans la main. Enfoiré. Tiens. Alors, ah ouais hein, t'es pas habitué toi hein. Et voilà. Oh non. Ah merde. Ah. C'est bon. On a encore un autre. Allez. Eh bien. Bim. C'est bon? Vous avez compris à qui vous avez affaire? Bande de chiens. Merde. Ah merde. Ah chiotte. Ah je me suis viandé.
Je me suis viandé. Putain! Mon bébé! Vous avez fait peur, mon bébé! Bande de chiens! Bah oui, mais bon. Je me suis viandé, j'avais bu. Non, le pire, c'est que j'ai même pas bu. Bah oui, mais bon. Regarde, voilà. Bébé dodo. Voilà mon petit frère. Bébé dodo. T'auras du lolo. Pourquoi il y a un bruit étrange? Très bien. Ah, c'est parce que je les ai. Oui, ils dorment. C'est pour ça. Et du coup, laisser des cadavres comme ça, c'est pas un peu dangereux? En fait, ce qui est pas dangereux, c'est que je les ai assommés. Et je ne les ai pas tués. Du coup, pour le moment, ils dorment. En plein combat, le gars, il se casse la gueule tout seul. Ah oui, vous avez vu, c'était. C'était beau, hein. Vous avez pu. Ah là là. Un peu scandaleux. C'est scandaleux ce qui vient de se passer. Ah, j'essaie de pas les tuer. Donc c'est pour ça que. Ils sont. Comme ça. Je les ai attaqués avec des mallettes. Traitement médical. Ok. Ah, attendez. Ancien. Merde. Ah, mais non, mais non! Échelle, résine, métaux. Métaux, je vais le prendre. Ah, mais est-ce que j'ai la place? J'ai vraiment la place, ça devient compliqué. Échelle. Ils vont dormir longtemps avec un coup d'échelle dans la tête. Ah, t'as vu, hein? En plus, ça déconne pas, hein? Faut un coup d'échelle, le mec, il se. On en a eu combien en plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais attendez, moi je me défends, hein? Vous croyez quoi là? C'est des petites mules, des petites têtes de mules qui vont me défoncer. Vous connaissez pas, hein. Vous connaissez pas ma vie, hein. Vous savez pas à quel point j'ai souffert. Je vais essayer de tout prendre. Là, il faut pas qu'il se lève par contre, hein. Il faut pas qu'il se relève. Il faut que je regarde d'ailleurs dans mes affaires parce que du coup j'ai tapé avec les valises d'échelle. Du coup elles doivent être dans un sale état. Les gars. Ah, j'ai tapé avec ça aussi. Grenade hématite. Oh, ah oui, il est dans un sale état lui. Au pire, si je me rebats, j'essaierai de me battre avec les mêmes objets, histoire de pas tout endommager. Et mes bottes, elles sont comment? Elles sont comme ça, d'accord. Allez. Allez. Donc vous avez vu, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, quand vous croisez des mules. Prenez une échelle et vous vous battez avec. Bonne vieille technique. Maintenant je suis au point. Je regarde un peu la vie d'ailleurs. On est comment? On est bien. Il y a juste un peu la barre d'usure des chaussures. Quand elles seront vraiment usées, on mettra d'autres chaussures. Et donc vous voyez, hein, le jeu pousse la simulation finalement assez loin quand même. Parce que nos chaussures peuvent donc s'user, et si elles s'usent, évidemment elles se détruisent, et ça use nos pieds, et ça les fait saigner vraiment. Jusqu'à la corne. Et donc il y a des plantes parfois qu'on récupère qui peuvent nous permettre d'avoir des espèces de chaussures de fortune. Il y a pas mal de choses. Et là on peut se cacher là-dedans aussi. Oh, tout ce qu'il y a ici, les métaux. Ah mais ça c'est encore des bulles qui sont là-bas. Merde. Ok. Peut-être que j'essaie de récupérer les cristaux chirales là qui sont en bas.
comment je peux faire pour... Alors attendez. Ben voilà, là il y a quelqu'un qui a mis une corde. Je vais utiliser la corde pour descendre. Eh oui, Réaction. Merci Réaction d'avoir mis cette corde. Merci mon gars. Des likes pour toi. Des likes. Tu peux descendre. Voilà. Voilà. Voilà le talent d'un mec qui sait quand même escalader avec avec je ne sais combien de kilos sur le dos. Il faut saluer cette cette force surhumaine que nous avons sous les yeux. Tac, est-ce qu'il y a d'autres choses à ramasser? Encore un peu là. On va essayer de ramasser tout ça. Ah bah, bah attention. Merde. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Wow. Une voiture? Une voiture? Mais je croyais qu'elles avaient disparu. Tac. Ok, on est bon là, je crois que... La céramique. Ok, on va remonter. Merde, elle est où la corde? La satanée corde! Hein? Ah, mais c'est vrai ça, elle est où la corde? Elle est là. Allez! 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 Oh là là, la force de cet homme! Ça. Ça inspire le respect. Hein. Ah là là. Est-ce que c'est dans vos cordes de vous accrocher avec une corde? Avec 120 kilos sur le dos. Enfin, 120 kilos. On a combien de kilos d'ailleurs? 116 kilos. Et ouais. Et ouais. Ah là, il y a un camp de mules là-bas. On ira faire un tour quand on aura plus plus de cargaison. Là, si on les attaque tout de suite avec notre cargaison, on va tous les prendre de front. On va pas le faire du tout. Ah, il y a ça aussi qu'on pourrait encore essayer d'améliorer. Ah oui, pour faire une route. Tiens, on va essayer de mettre nos matériaux là-dedans. Auto-payeur. Non, auto-paveur. Alors. Allez. Qu'est-ce que je peux mettre? Les métaux. Cristaux. On va tout mettre. Maximum. Eh, déjà les cristaux, ouais, c'est bien mal. Il faudrait qu'on ait... Ouah, il faudrait qu'on ait 900... Ah ouais, il nous en faut beaucoup, beaucoup, en fait. Hein. 1600, en fait. 1660. Et de la céramique. Et de la céramique, je sais pas où ça se trouve, donc... Voilà, comme ça, ça nous a peut-être un petit peu... Un tout petit peu allégé. Ouais, ça nous a un petit peu allégé, c'est pas mal. Ok, j'optimise un petit peu le placement des caisses sur mon dos. Je vais juste voir encore. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a des choses à réparer ou pas? Non, je crois pas. Faut que je le garde lorsqu'il va pleuvoir. Hein, le spray colmatant, c'est très très pratique quand il pleut. Attendez, c'est par là qu'il faut que j'aille ou pas? Je sais plus si c'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Allez. Allez, Bobby.
Et si le texte pouvait éventuellement disparaître, ce serait sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a des installations où on peut récupérer des matériaux, le jeu nous le rappelle. Alors regardez ça, qu'est-ce que c'est beau n'empêche. Il n'y a pas grand chose, hein. Là il y a juste de la nature, des cailloux, de la végétation, de l'herbe. Et c'est tellement criant de vérité. Ah, du métal, super. Voilà, récupérer ça. C'est criant de vérité. C'est criant. Alors. Et voilà, la petite échelle qui va bien. Ne pas avoir le vertige, c'est important. Eh, la classe, hein. Ça vous épate, hein. Moi, ça m'épate. Est-ce que je peux récupérer ce truc-là, là-bas? Ah, ça sera mon retour, mais bon. Sinon, tout le monde est prêt à se reconfiner en septembre? Oh là là, on n'en parle pas. Je pense honnêtement, je pense que ça se fera jamais. Enfin, il y aura peut-être un genre de reconfinement, mais ça se fera jamais comme ce qui a été déjà été fait en mars. Hein. Je pense juste qu'on va redoubler, tout le monde va devoir redoubler de vigilance, mais j'imagine même pas comment ça pourrait arriver, quoi. Si ça arrive vraiment en mode tout le monde, 60% des gens doivent arrêter de travailler. Je sais pas, hein. Je suis pas un professionnel, c'est sûr, mais bon. Je pense que c'est pas enviable. C'est pas possible. C'est pas possible. Lancement du scan. On va devoir redoubler vigilance. Mais c'est qui ce vigilance? Ah. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Je répète ça bêtement, mais vigilance, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Et on sait toujours pas qui c'est vigilance. Bravo, hein. Bravo, monsieur. Vous avez mis le doigt sur le problème. Moi, ce qui m'épate, c'est la taille de la mallette pour une aussi grande échelle. Non, mais c'est une échelle télescopique. C'est une échelle télescopique, les enfants. Enfin, combien de fois il faut vous dire? En quelle langue faut-il vous le dire? Alors. Voilà. Pa-pa-pa-la. Merci. Sam Bridges, je présume. En personne. J'ai entendu parler de vous. L'homme qui parcourt tout le pays à pied pour reconnecter les habitants. Je vous remercie de m'avoir apporté ça, vraiment. Les temps sont durs sans Fragile Express pour gérer les livraisons. Permettez que je vérifie la marchandise. Ça alors? Vous en avez vraiment pris le plus grand soin? Ah bah ouais, attends, tu crois quoi? Je tiendrai Bridges au courant des tests de validation. Je suis pas un crasse-pouille, hein. Ah non, elles sont un peu abîmées quand même. Non. Ah oui, c'est vrai que je me suis fait attaquer tout à l'heure par les mules et je me suis pris une claque ou deux. À un moment. Ouais, ça va, on est quand même rang S. C'est cool. Mais vraiment, le truc qui m'embête, c'est que je sais toujours pas comment faire pour augmenter mon poids de transport. Je suis conscient d'une chose. À propos de Fragile, vous avez peut-être entendu dire qu'elle avait aidé des terroristes sans se soucier des victimes. Mais moi, je vous dis que c'est forcément faux. Avec son équipe, elle a souvent mis sa vie en jeu pour nous apporter ce qu'il nous fallait. C'est une véritable héroïne. Écoutez, moi, je suis né dans cet abri. Ma connaissance du monde, elle se limite à ses murs. Alors quand les gens parlent de l'Amérique, je suis incapable d'imaginer quoi il s'agit. L'Amérique. Et si Cupidon me connecte à tout le monde, j'aurais plus besoin de l'imaginer.
Alors oui, je veux rejoindre les UCA. Je veux voir ce que j'ai raté jusqu'ici. Allez, on va te connecter. Squalala! C'est moi ou on aurait dit un peu Kojima, le type. L'ingénieur a fourni les données de conception des éléments suivants. Squelette renforcé. Oh, squelette renforcé, ça veut dire qu'on va peut-être avoir moyen de... Un truc qui porterait plus de choses, peut-être. La matrice est universelle. Oh là là. Est-ce que tu y crois, tiens, d'ailleurs, Marc le chat? Est-ce que tu y crois un peu, toi, à ce Matrix 4? Est-ce que tu as de l'espoir? Cette zone est désormais connectée au réseau chiral, ce qui vous permet notamment de voir les structures. Okay. Après, le problème, c'est qu'en termes de cinéma, pour l'instant, il y a plein de trucs qui vont être reportés, mais... Et voilà, mon imprimante 3D autonome peut désormais effectuer des impressions chirales. Aucune hype. Si ça fonctionne, l'unité EvoDevo devrait me permettre de reproduire toutes sortes d'objets archivés. On peut reconstruire l'Amérique, morceau par morceau. En attendant, grâce au réseau, je peux voir ce qui se passe dans les villes. Suivre l'activité des mules et des terroristes. C'est un peu comme si vous m'aviez apporté le monde entier dans ce paquet. Merci Sam. Je referai appel à vous. Je vois pas du tout intérêt. J'ai un petit quelque chose à vous faire essayer si vous voulez bien. Un assistance que j'ai conçu moi-même. Il fonctionne parfaitement en simulation, mais j'ai besoin de quelqu'un pour le tester en conditions réelles. Et si vous facilitez un peu la tâche, c'est tant mieux. Ouais. Sam, une fois les squelettes actifs fixés sur vos jambes, vous pouvez décupler vos capacités physiques. Celui-là est un SA porte-charge, conçu pour renforcer vos articulations. Le simple fait de porter un SA vous sera d'un grand secours, mais vous pourrez également le booster pour maximiser son potentiel. Allez-y, essayez-le. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Oh! Parce que je vois pas du tout l'intérêt de ce film scénaristiquement parlant. Ouais, bah c'est. Ouais. Ouais, j'y crois un petit peu quand même. Je me dis peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Mais après, avec tout ça, avec tout le Covid et la crise, enfin le Covid seulement, où les films sont un petit peu mis en stand-by, hein, j'ai l'impression. Et Avatar 2, oh là 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 là. Oh. Depuis combien d'années il a été reporté? C'est complètement. Ouais. Je comprends, je comprends. Je peux pas l'utiliser ce truc là, squelette renforcé porté sur le dos. Comment je peux enlever la marchandise et équiper? Ah. ⁇ 245 ⁇ Ah ouais! Là tout à coup... Croix d'escalade, échelle. Tiens, à propos de série, j'ai regardé enfin Mandalorian, enfin les trois premiers épisodes. Un ami qui me les a filés. Et j'aime bien, hein. J'aime bien, ça, c'est enfin un petit peu original. Ça... Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, mais bon, c'est pas mal. Fabriquer un équipement. Ah, parce que ça, du coup, ça doit se péter. On peut en fabriquer, mais... Okay. On pourrait faire ça. Si je fais ça, il va falloir que je revienne en arrière. On pourrait le faire. Ça vaudrait peut-être le coup. Ouais, allez.
Une échelle, j'en ai déjà une, mais je vais peut-être en faire une petite deuxième, on sait jamais. Ouais. Regarde Tales from the Loop, ça vaut le coup d'œil. Ah, j'en ai déjà entendu parler, oui. J'ai entendu du bien de ça aussi. Je regardais la fin là, la dernière fois de Ash vs Evil Dead. C'est pas mal. Ah oui, là d'un coup, Bon ouais, voilà. Voilà. Ça fait une station de Prepper. Encore deux. Wow. Ah oui, puis alors là, il y a plus de problème d'équilibre là en plus. On a des trucs dans le coin. Métaux. Ah, il y a 400 trucs de métaux. Métal. Par contre, c'est loin. Oh là là, il est loin le métal. Les effets du squelette actifs durent tant qu'il vous reste de la batterie. Permet d'augmenter les effets d'un squelette, mais cela consomme plus de batterie. Ok. Niveau batterie, on est comme ça, on est pas mal quand même. Donc on a du temps. Il y a un truc qui recharge les batteries là-bas en plus. Céramique 40. Métaux 400. On va essayer de récupérer du métal là pour fabriquer les routes. Alors. Ok. Wouah, 400. Par contre, attendez, 400, ça va être. Ah oui, on est à 245. Je viens de tilter que, en fait, on n'est plus à 125, on est. Mais attendez, comment ça se passe? Pourquoi je peux pas le prendre? Comment ça se fait? Je peux pas le porter sur mon dos. Auto-paveur. Métaux. Ah, on va essayer de les apporter là-bas, les métaux, mais. Le métaux. Le métal. Le métaux! En train de me demander est-ce que je vais chercher d'autres ressources, mais le problème c'est que ça, je peux pas le porter sur mon dos, c'est chiant. Obligé de le mettre comme ça. Et c'est où déjà? Je sais plus, c'est là-bas. C'est là-bas. Ah, et là, si je veux pas l'abîmer, faudrait que je mette un. Faudrait que je mette une échelle. En fait. Voilà. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh la vache! Oh là là! Putain! Vite! Allez, super! Récupère tout!
Billy! Mais qu'est-ce que tu fais, Billy? Ah! Ah mon dieu! Putain, pile poil quand Avia arrive! Putain, c'est incroyable! Hein. Tout se passait très bien! Il a fallu que je décide de porter un truc au bon moment, quoi! Salut, je fais que passer, j'ai des colis à déposer, mais j'ai besoin de ton aide, Archibald, je suis au début et je dois aller à la base portuaire ouest et je passe pas avec la moto car il y a ces trucs noirs qui m'abannent. Et bah c'est pareil. Moi je suis passé, en fait, je vais dire la vérité, j'ai paumé, enfin j'ai dû abandonner ma moto là-bas parce que je me suis fait choper par un échoué. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai tout fait tomber, j'ai récupéré toutes mes marchandises mais la moto impossible de la reprendre. Et juste après j'ai récupéré les grenades. Donc tu récupères après une arme, bon voilà, je dis rien, mais... Bref, je dis rien, mais... Bref, en tout cas, je vais pouvoir y retourner, mais j'ai plus ma moto. Donc c'est la merde. Mais salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de passer. Et du coup, j'ai fait tomber mon truc, il est où le truc? Ah, il est là-bas! Ah merde! Mon métal! Ah, mon métal! Ah non! J'essaie de réparer un peu mes affaires. Ah. Ok, c'est chaud, même en très facile. Allez, Simone, attends ses batteries. Merci, Archiboulette, bon game. Bon week-end à toi, viens. Bon jeu. Bon jeu à toi aussi. Ouais. Ah, mais les échoués, c'est... C'est chaud, hein. Faut pas les sous-estimer. Hein. Faut pas se dire en mode ouais, c'est bon, je fonce en moto et hop là, non, non. Ah, ils te chopent, hein, ces enfoirés. Ah la vache. Allez. Allez, c'est bon. Ah mais attendez, ça je peux le mettre sur mon dos ça? Ok. Oh non, me dites pas qu'il pleut là. Non. Ah, parce que là s'il pleut en plus, non non. On va peut-être se calmer là un peu là quand même. Alors, attendez. Est-ce que c'est par là que je voulais aller? Je sais plus. Non, c'est pas par là du tout, c'est par là. Merde. Ah oui, parce qu'il y a des... Ah oui, il y a des tours de... Ça c'est quoi? C'est encore un autopaveur? Il y a des autopaveurs partout en fait. Il y a des autopaveurs partout. C'était limite. Niveau d'énergie diminué, le poids des marchandises n'en sera que plus handicapant. Merde. Ça, je devrais le mettre sur mon dos, mais... Ah, c'est tendu, là. Ah, j'ai reçu un mail, d'ailleurs. Alors, attendez.
William Lake, point sur les preppers. Après mon arrivée ici à Bridges, on a rencontré des preppers du coin. L'équipe archivage a fait des retranscriptions des entretiens qui ont pu être faits. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous en trouvez quelques-unes. On cherchait juste à évaluer la situation sur le terrain et à les convaincre de rejoindre les UCA, bien sûr. On se doutait bien que ce n'était pas le genre à suivre le troupeau. Pourquoi ils seraient là, sinon? On retrouve toutefois chez eux cet étrange esprit communautaire. Tous ne se terrent pas dans ces abris par choix. Certains fuient quelque chose. D'autres n'ont connu que cet environnement depuis qu'ils sont nés. Convaincre les plus influents de rejoindre les UCA n'a vraiment pas été du gâteau. Je l'ai dit. Et le fait que le réseau chiral n'était pas encore opérationnel à l'époque ne nous a vraiment pas aidés. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était mettre les choses en place et leur promettre que tout sera bientôt opérationnel. C'est désormais le cas, grâce à vous. Les plus sceptiques pourraient bientôt se laisser convaincre, maintenant qu'on peut leur montrer les choses concrètement. Continuez comme ça, ok? Il faut tous nous raccorder au réseau. Ça marche. Ça marche. Oh là là. Ah merde. Je me demande en fait si je devrais pas tout simplement le mettre sur le paveur là-bas là. Ouais, je vais le mettre sur le paveur là-bas tant pis. Mais c'est trop dur. En fait, j'ai remarqué qu'il y a des moments où la valise il la tient entre les bras, il le serre bien et du coup on a plus besoin de maintenir la gâchette. Parce que là le problème c'est que je suis obligé de maintenir la gâchette à droite. La gâchette de droite sur ma manette. Parce que sinon il lâche la manette. Et dès qu'il perd l'équilibre, tu peux vite fait faire ça. Voilà, je peux compenser. Compense. Et c'est tendu, hein. Là, on a vraiment du mal à gérer l'équilibre parfois. Allez. Tac, cristaux. Garder un peu quoi, genre 20 quand même. Ah non, mais non, c'est pas ça que je vais faire. On garde une dizaine, 20. Oh. Ah, il nous faut quand même beaucoup de trucs. Surtout, ce qu'il va nous falloir, c'est de la céramique. Et je sais pas comment on la trouve, la céramique. Il y en a un peu de temps en temps, j'ai remarqué, mais. À certains endroits. Céramique. Ah mais il y en a ici. Ah ok. Il y a quoi là, des métaux. Ici? Ah ok. Ingénieur. Céramique. Et là, il y a quoi là-bas? Métaux. Ah, il faut que je fasse gaffe à mes bottes aussi. On va peut-être retourner au relais, hein.
peut-être que je devrais changer mes chaussures tout de suite. Je vais changer mes chaussures. On va... Ah bah tiens, ça on peut le jeter ça peut-être. On va jeter ça. Ah, les bottes elles sont dans un sale état, donc on va équiper les autres. Tac. Voilà. Non. Ah, je vais quand même récupérer le métal là-bas. Allez, cours Forest, cours. Il est loin le truc là-bas. Ah bah tiens, il y a encore des cristaux Kiro ici. Mais je sais pas s'il est loin là. Ah bah non, ville relais du lac. Oh, attendez. Voilà. Je vais essayer de voir combien de... 80 mètres. Ah c'est pas loin. Aliments de conserve. Ah oui, je vois, et là il y a l'eau. Je pourrais faire pour passer par là. Là, je vais uriner, tiens. Et voilà. Ah oui, on a changé d'endroit où on pissait. Du coup, le champignon a poussé seulement au premier endroit. Ok. Voilà. On va poser une échelle. Et ce serait bien, ce serait de la mettre là ou voir comment on pourrait faire. Comment on pourrait faire ça proprement. On met l'échelle là. Comme ça. Sympa. Ouais, ça me semble pas mal ça. Voilà. Voilà. Ah merde, j'ai pas le... Je peux pas le porter sur mon dos ça. Allez, on se calme un petit peu là. Ah, ça me fait récupérer tout doucement de l'énergie, mais c'est vraiment lent quand même. Est-ce que d'ailleurs ça peut réouvrir le... Enfin débloquer les zones d'énergie qui sont bloquées. Ah oui non. Ok. Et on y va. Oula mais on est 12. Oh là là. C'est beaucoup trop d'honneur. Beaucoup trop d'honneur. Est-ce que je le mérite? Je ne sais pas. Ça c'est lourd ou pas ça?
J'ai déjà essayé de porter un truc avec à la main sur une échelle, ça s'est mal fini la dernière fois. Hein. Allez, ça va bien se passer cette fois-ci. Voilà. On va essayer d'aller très doucement. Plus doucement possible. Le plus doucement qu'il m'ait été donné de faire. Voilà, on a tout notre temps. On n'est pas pressé. Dans cet endroit fort peu hospitalier, nous ne sommes pas pressés. Poilonnés. Allez, cours! Arrête de courir! Cure! Arrête de courir! Cure! Céramique, tac, métaux, tac, et voilà, on va tout mettre là, attention, allez. Bon, du coup, on va revenir de l'autre côté, parce que là, en principe, il n'y a plus rien par là. C'est quoi ça? Générateur en ligne. C'était quoi l'autre? C'était ici et ici. Il y a des choses qui exigent que nous revenons à... Nous revenions à Ville-Relais du Lac. On va peut-être revenir à la Ville-Relais du Lac et puis... Sur le chemin, il y aura sans doute des choses qu'on pourra prendre peut-être. J'aurais dû fabriquer beaucoup trop, beaucoup plus d'échelles. Il me reste des échelles ou pas? Et merde, il me reste plus d'échelles. Merde. Ah, quoique j'ai peut-être léché une échelle. Non, non, je ne lèche pas l'échelle, c'est dégueulasse. J'ai peut-être laissé une échelle quelque part. Échelle. Ah oui, j'en ai laissé une là. Ah oui, mais attendez, parce que les échelles bleues, je sais plus. Ah oui, non, 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 ok, non. L'échelle, ça c'est vraiment une échelle posée, mais le vert, c'est des trucs qui sont posés par d'autres personnes, et le bleu, c'est ce qui est posé par moi. Et ok. Alors, est-ce que j'essaierai pas tout simplement d'avancer plutôt que d'aller à la ville relais? Ah, c'est loin aussi d'aller là. Hein. C'est quasiment c'est quasiment égal en longueur. Alors, on va revenir à la ville. Hop 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 hop, attention, 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 eh! Pas le con, Billy! Ok. C'est quoi là-bas? Ah merde, il y a des métaux qui sont pétés! Dommage. 200 en plus! Ça aurait pu servir. Hein? Par ici! J'ai entendu une réponse ou Ah mais attendez, ça c'est pas une carte mémoire là-bas? Je suis en train de me demander. Boîte de stockage en ligne. Ah non, c'est des boîtes de stockage en ligne. Céramique.
Ah, je vais voir si je peux me recharger un peu. Quoique, niveau de recharge, j'ai l'impression que c'est pas vraiment. C'est pas vraiment important pour le moment. Ouais. Ouais. Non, c'est bien en fait, on a pas besoin de plus. Si là j'abîme ma cargaison. Vous pouvez utiliser là pour grimper sans avoir appuyé plusieurs fois sur la touche. Ah oui, donc parfois ça quand même, ça sert de suivre des traces et des chemins, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Tout a une utilité. C'est bien fichu quand même. Hein. C'est bien fichu. Rien qui n'est là que pour être joli. Hein. Tout a une utilité. Allez, un petit massage pour monsieur Ridus. Voilà. On va masser les jambes aussi. Ok. Ah, il pleut ou quoi? Oh non, 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 non. Oh non, on va se faire attaquer par des échoués là, non. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Attendez, l'ingénieur là-bas c'est loin ou pas? 115 mètres, c'est pas à côté. Hein. Et voilà. Merci pour le coup de main. C'est une bonne journée. Ah, c'est là-bas que je dois la... Bah, d'accord, je vais la relivrer là-bas, alors. Un truc à livrer... Tous les trucs ingénieurs, bah attendez, je vais essayer d'en récupérer encore un ou deux là. Voyons voir, est-ce que j'arrive à passer par là. Attention. Ouais. Ok. C'est bon, ça passe. Ah, par contre, il y a ingénieur XL. Wow. Ah, ils sont très loin en plus. Ils sont très loin. Parce que ces gens feraient sans moi.
Ah, et ça, je peux pas le prendre. Je peux le prendre dans ma main gauche, mais. Oh là là. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se fasse à l'idée, il faut qu'on rentre là. On va arrêter un peu les conneries aussi. Hein. Allez. Ah ouais, attention. Ok, putain, j'ai eu peur là. Wouah, j'ai failli me casser la figure, disons. Me péter la figure. C'est super dur de garder l'équilibre quand t'as une mallette dans la main quand même. Hein. Super dur. Allez, allez. Oh merde. Oh non. Ah dur. Allez. 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 Bon. Allez. Mieux vaut s'y coller. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. C'est sympa quand même les petits trucs comme ça que multijoueur permet, hein, tous les petits panneaux. Des panneaux qui permettent de récupérer de l'énergie, c'est quand même pas mal. Hein. Confier votre posé marchandise sélectionnée. Alors attendez, je sais plus là. Ah non, lui il demande rien en fait. Renvoyer marchandise perdue, composant sur valeur, marchandise. Ah non, je suis en train de me tromper en fait. Parce que là si on le fait ici, ça sera, on les confiera. Et confier, c'est pas terrible, confier, parce que ça nous fait gagner beaucoup moins de likes. Salut Carodus! Bienvenue Carodus sur Death Stranding. Là on fait un petit peu des trucs secondaires, mais... Là par exemple si je fais ça... Ah oui, tout ça c'est à la ville. Ah ok, c'est pour ça. Tout ça c'est à la ville relais du lac qu'il faut que je les livre. Du coup, si je les mets ici, c'est pas bien. Et ça c'est pareil. Ah. Ah, je peux fabriquer un équipement par contre. Je vais peut-être fabriquer une échelle. Une échelle ou deux d'ailleurs. Ouais, je... Ok, deux échelles. Est-ce que je peux les mettre accrochés, marchandises à vos hanches, des équiperas. Ah non, 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 surtout pas. Ah là non plus. Pôle gauche là. On va voir.
J'ai dû laisser des trucs par terre du coup, mais je vais voir. Qu'est-ce que j'ai laissé par terre du coup? Ah oui, marchandises. Ouais. CCP, marchandises. Ah, ces deux trucs là, c'est chiant là. Comment je peux faire? Pas mieux optimisé de toute façon, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux là. J'ai trop de trucs sur moi en fait. Des grenades hématites là. J'ai trop de trucs sur moi. Les bottes là, c'est pareil. Les bottes, je devrais les recycler. Je me dis que j'ai plein de grenades hématiques et en même temps si je suis attaqué par des échoués je serais super content de les avoir. Mais bon, et en même temps j'en ai quand même beaucoup, là j'en ai 7. Est-ce que c'est bien raisonnable de transporter tout ça? Est-ce que c'est franchement une bonne idée? Je ne sais pas. Alors, attendez. D'accord, oui là il est en train de me dire que j'ai mal au pied mais en fait... Je vais me fabriquer des bottes. Par contre, ce que je me demande, c'est bon, on va se fabriquer des bottes. Mais le squelette renforcé, je sais pas, il y en a 3. Est-ce qu'il y en a un que je peux mettre ailleurs? Il y en a un qui se met sur les jambes et peut-être un qui se met sur... Lui, squelette renforcé argenté. Ah non, c'est juste la couleur. Pour l'utiliser, équipez-vous et appuyez sur pour bénéficier d'un bonus supplémentaire qui vous permettra de courir tout en portant les charges, ce qui vous sera normalement difficile de porter. Ah ouais, non, c'est la même chose en fait. Comment ça va, Carodus? Tac. Peut-être que je devrais en fabriquer d'autres d'ailleurs. Ouais, je vais en fabriquer d'autres. Ouais. Comme un lundi. Mais on est dimanche, mais comment veux-tu? Comment veux-tu? On fait des marchandises à livrer. Ah non, mais je vais pas les confier. Non, il faut pas que je les confie. Il faut que j'y aille moi-même. Si je les confie, je vais perdre les trucs. Ouais, ça revient à faire ça, là, mais non. C'est le pré-lundi, quoi. Merci pour votre contribution. Ouais. Bien sûr. Ouais, mais attendez. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je peux utiliser les batteries et tout. Okay. Ah, c'est par là. Allez. Allez. Oh
Attendez, là si je fais ça, je peux pas mettre tout de suite un... Ok, ah bah j'ai mis une échelle, parfait. Allez, attention. Arrière, je peux pas monter là. D'autres joueurs en particulièrement contents de vous, ok. Et eh ben je suis content qu'il soit content. Voilà. Et où va? Attention. Allez. Et ce soir, le numéro, le funambule, qui se transporte son million de caisses sur le dos. Il est d'une force absolument incroyable. Est-ce que je peux mettre des trucs là ou pas? Je sais plus. J'ai de la céramique. Mes cristaux Kiro, il y a déjà le maximum, donc c'est bon. Ah là, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de la céramique là quand même. C'est un peu abusé. Oh non, ils m'ont vu, c'est ça? Oh non! Non, 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 vous m'avez pas vu là, non, non! Ah non, non, non! Ah non, 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 ah non, non! Non! Ah non, 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 non! Précolle maintenant. Allez, on va revenir à la ville relais et puis on va s'arrêter là, je pense, les amis. Il est midi 47. On va un peu livrer là tout ce que l'on n'avait pas livré tout à l'heure. Je vais manger après et après je reviens vers vous. Canette de Monster Yoli. C'est ça. Alors là, il y a eu un petit génocide. Hein. Je les ai tous assommés, ces gars-là. Je les ai tous assommés à coups de mallette. À coups de mallette dans la bouche. C'était très intéressant. Le génie de Kojima, encore une fois, s'est exprimé. Ouais, absolument. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, en fait.
Après, je suis pas un fan de la première heure de Kojima en particulier, je suis pas extrêmement connaisseur en fait. J'ai connu Metal Gear quoi, mais. Mais à découvrir comme ça, je trouve que ça c'est chouette quand même, ouais. Un gros travail, hein. Ah merde, j'arrête pas de tomber. Putain. Oh là là. Allez. Hello Tony. Christo Kiro, on va essayer de tout mettre. Métal, on met tout. Ah merde, je peux pas tout mettre là. Allez. Et tu l'as fait toi du coup, Carodus, tu l'as fait Death Stranding? Ou alors tu l'as vu live peut-être par plein de personnes ou des vidéos tout simplement? Le point scénario. Le point scénario, bah écoute, on vient de finir ce qui ressemblerait à un premier acte. Première zone géographique. On a buté un boss la dernière fois. Une espèce de créature échouée que le terroriste X avait fait apparaître. Donc on a protégé la ville portuaire. Et puis du coup, on a découvert une nouvelle zone. Maintenant on est ici, donc on essaie de fabriquer des routes. Surtout le début. Ouais, le début. Alors. C'est pas simple hein, quand même. Tu es conscient que tu me demandes d'expliquer quelque chose de très très compliqué à expliquer quoi. Et voilà. Un monde dystopique où il y a des gens qui meurent et qui meurent pas vraiment. Et qui sont encore plus dangereux quand ils sont pas morts. Enfin, qui sont morts mais pas morts, mais vraiment morts, mais vraiment pas morts. Vraiment pas mort, pas mort du tout là, pour le coup ils sont pas morts là mais... Et du coup voilà, à la pêche à la mouche. À la pêche à la mouche. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Faut pas mourir. En gros ouais, faut pas mourir. Oh la vache. Il faut que j'aille me reposer. Hein. Là, de toute façon, faut que j'aille me reposer. Et oui, il y a des gens que j'ai rencontrés, des mules, et je les ai pas tués, je les ai assommés à coups de mallette, comme je disais tout à l'heure. Parce que si tu les tues, ils se transforment en échoués. Après, j'aimerais bien essayer une fois ou deux d'en tuer un ou deux, mais j'ai rien pour les tuer en fait. J'aurais pu peut-être avec ma moto, mais ma moto, je l'ai laissée dans le précédent continent, la précédente zone. Je m'étais fait attaquer par un échoué et du coup j'avais abandonné la moto. J'avais tout fait tomber. Allez, tiens le coup. Allez. Oh, j'en peux plus là. Là j'en peux plus. Mais alors j'en peux plus. On va livrer tout ça et on va s'arrêter ici pour le moment. Je vais aller manger et puis voilà. Et puis voilà. On prendra tout à l'heure vers, je sais pas très bien, 14h30, 15h, hein, généralement, le week-end, c'est ça. J'aime bien streamer dans ces eaux-là. Mais là, c'était une petite surprise du matin. Parce que j'avais envie de streamer ce matin, je savais pas quoi, et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, continuons Death Stranding, histoire de ne pas perdre le fil. Ce jeu était quand même
un peu complexe à comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Ah, je suis dans un sale état là. Like. Le distributeur de like. Et est-ce que t'as fait toi, Carodus, les autres jeux de Kojima? Est-ce que tu t'y connais un peu? Moi j'avais fait dans le temps un des premiers Metal Gear Solid, mais le premier en 3D. J'avais pas réussi à le finir, j'étais allé quasiment à la fin et j'étais bloqué, il me semble. Tac. Voilà. Hey, comment ça va? Ça va, ça va. Comme un lundi, comme dit Carodus, comme un lundi. La légende a encore frappé. Or, tout a l'air en parfait état. Je veux que c'est en parfait état. Et lui, à chaque fois, il me fait penser à l'acteur noir de Get Out. Et en même temps, pas vraiment, mais un petit peu quand même, mais pas tout à fait. Vous savez comment sont tous ces gens qui veulent chercher des différences, des ressemblances. Ils veulent trouver des ressemblances partout, pour chaque acteur. Une partie de la bande passante de cette installation a été partagée avec Sam. D'autres structures peuvent désormais être construites dans la zone de Kiral. Ok. Pas mal, bagagiste élite. Vous avez reçu le titre bagagiste élite. Votre réputation reste modeste, mais elle est en progression. Vous avez atteint le rang 10 du point de connexion. Vous pouvez désormais établir des contrats de lien avec d'autres joueurs. Vous pouvez désormais effectuer des demandes de coopération avec... Ah, c'est cool ça. D'inviter les autres joueurs à donner de matériaux pour vos structures. La période pendant laquelle vous pouvez envoyer des likes a été augmentée à 5 secondes. Ah, oh, nice. On verra à la prochaine livraison alors. Le côté progression dans le jeu est hyper cool en fait, c'est hyper satisfaisant, c'est ça qui est sympa. Il peut avoir un côté répétitif mais en même temps c'est beau, l'ambiance est cool. Et la progression est chouette. Vous l'aurez compris, beaucoup trop de bons points dans ce jeu pour passer, pour faire genre... C'est un peu long quoi, c'est un peu long ouais. Après quand on a marre des trucs secondaires, tu te mets à la quête principale et puis voilà. Tu fais avancer l'histoire. Ce qui va m'arriver hein, à un moment donné j'en aurais peut-être marre des trucs secondaires, de livrer des trucs, bon ça va aller quoi. Et là on se mettra à faire l'histoire. Mais là on essaye un petit peu de gagner des stats. Ah non c'est pas ça que je voulais faire, confier à un autre joueur, non c'est pas... Ah je me suis gouré. J'aurais dû regarder, je voulais pas la confier, je voulais la livrer. Je me suis trompé. Du coup, des échelles, on en a deux. Ah, non, on en a trois. Oui, si j'en fabrique une, ça nous en fera trois. On va s'en fabriquer une. Des échelles, c'est toujours bien d'en avoir. Hein. Ok. Et bien voilà, pour le moment, les amis, nous allons nous arrêter là. Je vais manger. On se repose. Ouais, tiens, on va se reposer dans la chambre privée. On s'arrêtera ici. On va faire une pause et puis on reprendra vers 15h je pense. Un truc comme ça. Ouh la vache. Ah oui j'étais pas bien là. Bonjour Sam. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité.
plein de mails là. Hello, vétéran borne 76. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Grenade à main conçue pour combattre les échoués, libérer un... Bah oui, c'est ce qu'on a testé, qu'on a dû utiliser pour buter le premier boss. Alors on va bientôt arrêter, vétéran, tu arrives quasiment à la fin, mais on reprend vers 15h, parce que j'ai pas encore mangé là. Ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, merci de demander. Imhotep. Un petit dimanche sympatoc. Alors tu gazouilles. Gudi. Oh le pauvre quoi. Mais non, mais fais pas ça, c'est horrible. Mais non. Hein? Ah! Oh non! Oh la vache! Oh putain, j'ai pas aimé! Oh la vache! Oh, ah mon dieu! Il a une maladie de peau? Oui, alors en fait il a un... Il est atteint d'un mal, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ce qui fait que personne ne peut le toucher en fait. Quand on le touche, ça lui fait... Alors on voit d'ailleurs sur ses bras, il y a des marques de main. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais... C'est un rapatrié, alors est-ce que ça a un lien avec le fait que ça soit un rapatrié? Je sais pas. Bref, il a une maladie qui fait qu'on ne peut pas le toucher. Comme Malicia dans les X-Men, sauf que ça n'a absolument aucun rapport. Bah du coup, on va s'arrêter les amis. Est-ce que ça a sauvegardé là? Oui, ça a sauvegardé, je crois. Je peux pas faire de pause là. Donc, on va peut-être quitter ici. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire bon, on va arrêter. Bon, on va s'arrêter. Mais la vérité, c'est qu'on va vraiment s'arrêter. Est-ce que. Sam? Oui. Vous pouvez à présent effectuer des. Non, je sais, très bien. Ok. Moi, c'est ça. Je sais plus comment on fait pour. Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Système, sauvegarder, voilà. Ah. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. C'est la fin de cette cinquième live. C'est pas mal. Pour l'instant, là, on stagne un petit peu parce qu'on essaye de faire des quêtes annexes et des livraisons annexes histoire de monter en stats. Mais à la prochaine fois, on va un peu avancer dans l'histoire. On va relier les deux autres camps. Donc, merci d'avoir été là, les amis. Merci d'avoir animé ce live. Je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous à 15h. Merci, Marc Le Chat, Ilf, Kish Interne, Le Jumeau, Coxic, Sunamano, Vétéran Borne 76, Willy 56. Et X Morgan, je suis quasiment sûr d'avoir dit bonjour uniquement à des êtres humains, d'avoir snobé ces bots. Du coup, à tout à l'heure, les amis, prenez soin de vous d'ici là et à tout à l'heure. Tchuss! Allez, bye.